Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que tout le monde se porte bien. Eh bien, nous aussi, ça va ici sur ETV, dans cette émission Raphaël est là. Vous avez bien compris que de temps en temps, nous vous emmenons un invité, quelqu'un avec qui nous prenons plaisir à discuter. Aujourd'hui, cet invité, vous le connaissez, c'est quelqu'un qui a l'habitude de nos studios, qui vient aussi chez les autres discuter parce que c'est un homme très ouvert. Eh bien, moi, j'ai eu envie de l'avoir aujourd'hui pour parler de Miss International. Vous avez déjà entendu sa voix. Comment allez-vous aujourd'hui? Ben, Raphaël, ça va très bien. Pour moi, c'est toujours un réel plaisir de m'exprimer avec toi, de parler, de communier, comme on dit. Et RTV, personnellement, que je soutiens. Parmi toutes les télés que tu as citées, c'est vrai, je suis un homme public, je dois aller aussi. Donc, quand tu m'as dit, ça comme moi aussi pour faire force en moi, parce que force en moi, c'est d'abord les Guadeloupéens. Parce que ce sont eux qui me soutiennent depuis 22 ans. Mm-hmm. La Guadeloupe profonde, contrairement à d'autres qui vivent de subventions et d'argent public. Que moi, vous savez, nul n'est prophète dans son pays. C'est quand ça. J'ai relevé ce défi en 2002, j'avais en face de moi la dame de fer dans ce milieu. Aujourd'hui, vous savez très bien qu'elle fait partie. Rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Après, j'ai eu l'auteur, je ne veux pas citer qui c'est, vous savez très bien qu'elle est partie. Et là, nous avons une troisième ère. Mais il faut dire que les choses sont très difficiles, mais nous sommes là. Miss International est là et que nous nous battons toujours. Nous avons le soutien du peuple guadeloupéen et on a fait des choses merveilleuse pour la Guadeloupe, je suis à le préciser. Et en plus, dans cette élection que vous avez eue récemment, je pense que c'était Miss Guadeloupe. Miss International Miss Guadeloupe. Non, pour Miss Monde, c'était Miss Guadeloupe. C'est Miss International Guadeloupe. Miss International. Absolument, nous sommes différents parce que notre comité, qui est un comité national, mais nous, c'est l'international. Et c'est quoi qu'il y a des hommes politiques célèbres ici, quand on leur dit superviseur, ils ne comprennent pas. Un superviseur, c'est le thème, l'équivalent de président. Donc vous êtes superviseur. De plusieurs concours à travers le monde. Et notamment des concours, nous avons fait des choses formidables autour du monde avant c'était le vaccin. Parce que, comme je l'expliquais, pour entrer dans ces pays, il faut le schéma vaccinal. Et tu connais Raphaël ici, en Guadeloupe, les gens, depuis qu'ils ont un vaccin, ils n'ont pas vu le pouvoir faire vacciner. Et quelque part, je respecte leur choix. Mais nous n'avons pas pu faire le choix à cause de ça, parce que ça ne sert à rien de désigner une candidate qui va là, au Japon, aux Philippines, etc. et on demande le schéma vaccinal. C'est ça. La vie a changé. Et surtout, vous ne pouvez pas obliger la personne à se faire vacciner. Absolument. Voilà, tu as tout compris. Donc, on a carrément désigné une candidate. On a gardé qu'on sur le concours qui est Miss Monde. Enfin, nous avons toutes les licences qui sont renouvelées pour 2023. Mais nous avons tenu Miss Monde, car la fille que j'ai, à la personne de Judith Lachoua-Bruman, qui a déjà participé à Miss Supranationnel avec les semi-finalistes, et que je l'ai mis en timing pour le concours de Miss Monde qui est annoncé, selon toute vraisemblance, à Londres au mois de mars prochain. D'accord, ça vient vite là. Ah ben oui, ça va très vite. Et si vous n'avez pas les moyens d'y aller, vous n'avez pas les moyens de faire face, comment vous faites? Qui c'est que vous aide? Ben, je suis quelqu'un quand même qui croit à la divinité. Et comme je l'ai cru en 2003, je vais me faire ce qu'il y a à faire. Il y a les fêtes de fin d'année, il y a les banquets, il y a un programme. D'accord, vous avez disons, le faire quand je ne dors pas sur mon outil, je ne suis pas là à attendre comme ça. Je prévois de faire un big buffet à la fin de l'année, demander aux Guadeloupéens de soutenir la Guadeloupe authentique. Nous ne faisons pas partie de ces gens qui viennent prendre les rares moyens qu'on a ici, qui viennent s'expatrier et pour pouvoir représenter des gens qui sont en recherche d'identité. C'est ça. Parce que moi, je vois très bien que je respecte quand même la chose, mais je vois que ce concours a transgressé dans des directions, je dirais, surhumaines. D'accord. Parce que je vois que le règlement a changé dans cette organisation. Je vais passer des commentaires. Mais je pense que moi, je me suis battu pour avoir la représentation de ces concours. Une femme est une femme. Un homme est un homme. Je fais Mister Monde, je fais des concours à travers le monde aussi pour les hommes, et les donner la licence, c'est clair, il faut être une fille, pas question de transsexuel, etc. Ah, ça, c'est leur droit. Ah, vous n'êtes pas pour? Non, attention, le monde a changé. C'est vrai. Quand je vois l'organisme de Miss Universe, qui est le grand concours international américain, qui a changé son règlement, qui a été acheté d'ailleurs par un milliardaire thaïlandais, qui veut révolutionner ce concours de la manière, son droit. Attention, je ne veux pas dire. Voilà. Mais moi, je respecte quand même ce que
les valeurs de la femme et de l'homme, à travers comment je me suis battu pour avoir l'être le superviseur de représenter toutes ces licences à travers le monde. Et sur ce parcours que j'ai fait, on parlait encore d'Alex Caboulion et du Lamantin, de sa commune natale. On a fait quand même un parcours exceptionnel. On a gagné Miss United Nations, on a gagné Miss West Indies, et elle a été tombée sur le champ d'une organisation en Asie, à Taïwan, où elle a concouru pour Miss Lady Briancy, et elle a été première dauphine à Taïwan. Voilà. C'est pas donné à tout le monde. Belle jeune femme. Voilà. Ouais, elle a trouvé une organisation qui veut donner le billet, tout, faire compris. Donc, alors, Gladys Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Oui, il y a eu les Lapins qui est du Lamantin aussi. Comme quoi, au Lamantin, il y a Nippo aussi qui a concouru à Saint-Domingue. Il a gagné aussi. Non, j'ai l'amitié très fort avec chaque responsable de concours. Et c'est vrai qu'ils veulent toujours Guadeloupe dans leur concours parce qu'il y a une note spéciale en pensant à l'île francophone que nous sommes. Dans la Caraïbe, avec nos spécificités et bien sûr nos merveilleux sites que je défends. Voilà. Cependant, je tiens à dire que je me suis toujours battu et investi avec tous les gens qui m'encadrent. Je voulais dire un bonjour à Annette Daniel, Madame André, tous ces gens-là qui m'encouragent, Monsieur Rampersad également, que tu connais, qui est de la Montaigne, qui a fait un bout de chemin avec moi. Et bien d'autres, Monsieur Romanos aussi, qui est la boutique, ma petite boutique, qui a mis ses filles et qui est actuellement à la rue Barbès et qui a ouvert, je crois, un truc qui s'appelle l'Empire du Mari. Que je salue, la patience au grand café, monsieur Babin, et beaucoup d'autres encore que je passe. Mais vous devriez aussi aller voir monsieur Tissu si vous avez quelqu'un qui peut créer pour vous, parce que cet homme-là, il est très ouvert. C'est une boutique où il y a toutes sortes de tissus. Oui, c'est-à-dire que nous avons quand même, été secoués en Miss Monde en la fois dernière, parce que je vois moi-même à Puerto Rico où ça se passait, comment les choses se sont passées. On a mis le show à un jour près, et il fallait rentrer vite. Il faut être bon en l'œuvre parce que vous êtes sous législation américaine et il faut être embarqué pour rentrer à casa, comme on dit. Un 16 décembre. Il n'y a qu'un seul vol, c'est RNTF parce qu'il y a le passé qui a ce vol-là. Sinon, il fallait prendre notre billet, acheter notre billet avec American, donc, quelque part, je dis qu'on a été secoué, puisque même ce monde, même leur grande organisation de Miss Monde a été secouée, parce qu'ils ont reporté le concours après mars. Ce qui fait que nous avons le monde entier actuellement des difficultés, de crise financière. Donc c'est très difficile. Ah oui, mais pas si crise que ça. Vous avez là où du rhum en ce moment. Nous n'allons pas nous étendre sur cela. Nous avons des politiques qui prennent dès qu'on parle de la route du rhum qui devient agressif, qui sont prêts à pouvoir vous insulter, vous traiter de toutes les noms, etc., de vous miniaturiser en disant pour eux que ce sont eux qui ont raison. Moi, je m'incline devant ce genre de choses. Et je dis que les Guadeloupéens, de toute façon, savent très bien ce qui est bon pour leur île et ce qui n'est pas bon. Voilà. Quand je peux dire qu'ils souffrent énormément. Parce que je reprends des Guadeloupe, parce que je fais de la politique aussi. Je suis un homme politique qui est connu, bien connu en Guadeloupe, et les gens savent mes idées. Voilà. Je dirais simplement, la Guadeloupe, personnellement, je ne dis pas que c'est un truc qui a marché, mais en ce moment-là, il y a beaucoup de choses à faire en Guadeloupe. Et des choses pour améliorer la vie quotidienne. Je comptais sur vous quand même pour que nous puissions parler de ça, puisque vous avez votre miss, rappelez-moi son nom. Judith, la qui est en ce moment. Qui est de Saint-Anne. Saint-Malo. Non, elle travaille à Rennes, cette jeune fille, et elle était juste à côté. Alors elle m'a dit, monsieur Nodan, je vais bien aller voir mes compagnons guadeloupéen et être présenté ce qu'elle voulait. Et nous avons été surpris. Donc il n'y a pas une enveloppe extrêmement. Non, pas du tout. Et d'emblée, elle a été arrêtée par, je crois, le service de sécurité, après ce qu'elle a dit, enfin tout au moins qu'elle n'a pas pu. Elle n'a pas laissé entrer. Comme Guadeloupe, comme un temps de la Guadeloupe. D'accord. C'était l'autre miss qui était là, elle aurait fait de l'ombre. Je ne vais pas rentrer dans les commentaires. Oui, mais c'est quand même un commentaire intéressant parce que ceux qui nous écoutent, on sait un peu. C'est international. Alors, c'est qu'il y a un mode de. Il y a les règlements de compte de personnes. Et en Guadeloupe, c'est toujours ça. C'est les règlements de compte de personnes que la Guadeloupe ne marche pas. Moi, ce que je dis, de toute façon, cette majorité qui est en place actuellement, avant eux, il y a eu d'autres majorités. Et qui m'ont combattu. Et avec férocité. Et je dirais qu'aujourd'hui,
ils ont le temps à passer. Ouais. Il y a une autre majorité qui vient. C'est ce truc-là. Ah, parce que vous ramenez à vous cette affaire-là ou c'est une affaire juste parce qu'elle n'a pas eu de passe-droit pour entrer? C'est parce que... c'est-à-dire qu'il y a l'autre miss qui est en présence. Oui. Et qui va à Miss France. Okay? Oui. Et qui est son... La miss qui est... Sa concurrente. Non, pas concurrente. Nous sommes Miss Monde. Nous oui. sommes bio. Non, mais en Guadeloupe. Voilà. Alors, allez expliquer ça. Et quand vous avez les gens qui encadrent ce voyage qui a coûté 6 millions d'euros, vous passez sur ça, qui a bien spécifié à une clientèle pour pouvoir financer les billets d'avion, l'hôtel, etc. Et qui voit une concurrence comme ça qui monte là, ah non, fais couper ses papiers, ça c'est clair. Et comme tu connais ma chère Raphaël, c'est tranchant en Guadeloupe. Hein. C'est très tranchant. C'est pourquoi nous ne parlons pas à rien. Il faut mettre les bâtons où il faut tomber. C'est comme ça qu'il ne va pas fonctionner en Guadeloupe. Et malheureusement, pour moi personnellement, M. Nandin, ça me fait rigoler. Parce que j'ai l'habitude de prendre des coups, moi. Et Dieu seul sait, je suis un amateur de combat de coq. Ok? Oui. Mais justement, nous devons parler de combat de coq. Parce que moi, en changeant d'accord, il faut tomber. Ok? Murphy, on a déjà utilisé combien de notre temps? Il nous reste combien de temps? Parce qu'on doit parler un petit peu. Il nous reste 5 minutes? Eh bien, nous allons quand même parler des combats de coq. Jusqu'avant, à présent, on va rappeler que le concours de Miss Monde est prévu et annoncé pour le mois de mars prochain. Le mois de mars. À Londres, voilà. Royal Albert Hall de Londres. Voilà. Judith qui participera. Judith Bouman Latchoua, absolument. Avec tous ses partenaires autour. Absolument. Même si elle n'a pas eu dans les 6 millions, on n'a jamais eu, on n'a jamais été aidé. Par contre, on a surtout battu et c'est aux forces guadeloupéennes qui a permis que qui se sont investis avec moi, qui a pu tenir ça. Et je félicite et je le remercie tous et toutes ces candidates qui ont été merveilleuses et ont concouru en Chine, au Japon, etc. Alors, je reviens sur le truc de combat de coq. Voilà, on doit en parler. Parce que moi, je suis quelqu'un qui défend le patrimoine et l'authenticité de ce qui était la Guadeloupe d'avant. Oui. On ne veut pas me dire qu'on veut mettre donner à la Guadeloupe une autre dimension, une autre qu'elle n'a jamais acceptée. Comment voulez-vous qu'avec la crise économique qu'il y a, empêcher. Il y a une amende. Il faut prendre une assurance de stop des civils, c'est interdit. Ça fait mal quand même. Moi, je connais depuis que j'étais enfant des pêcheurs qui mettaient de l'eau et allaient à la pêche, qui ramenaient chez eux du poisson frais, et ou bien à biche pour manger avec. Donc la Guadeloupe aujourd'hui a compris, et moi je suis fier de moi, qu'il y a eu cette résistance derrière le Guadeloupe à Pain samedi dernier. Quand on a senti que la Guadeloupe était là. Et je voudrais dire à ces gens, je les remercie vraiment que ce monsieur a pu quel que soit le conflit, a pu reprendre son travail et cette manifestement, il a eu sa voiture et pour gagner sa vie. C'est tout ce donc alors des combats genre. Ils veulent que vous puissiez arrêter ces histoires de combat. Alors, j'ai gagné tout seul ce combat. Je pense que j'ai gagné. Enfin, excusez-moi, c'est Mme Biller, à mon allô. Parce que là, ça va, j'ai été tranché en 2012 par Manuel Valls, l'ancien Premier ministre. Il avait estimé, il y avait des associations en France qui manifestaient pour la maltraitance animale. Mais il avait estimé que ça fait partie de la culture française. Donc, Manuel Valls le danger à l'Assemblée nationale, c'était Jeannie Marc à l'époque qui était député de la 3e circonscription. Je la salue également, Jeannie, Tsunami. Et Mme Biller, et il a fait valider par le Conseil d'État constitutionnel les combats de coq comme spécificité de la culture française. Donc c'est terminé. Donc aujourd'hui, j'ai vu que ce député qui a présenté cette loi a mis uniquement la corrida. D'accord. Et c'est discuté le 24 novembre à l'Assemblée nationale. Mais nous ne sommes pas inquiétés, comme je l'ai dit, nous devons absolument continuer cette tradition et faire exister la Guadeloupe d'autrefois. Car je dirais toujours que je me rappelle mon enfance a été bercée par ça. Donc, mais vous pouvez aussi peut-être expliquer à cette nouvelle génération le pourquoi. Maintenant, on a affaire à des gens qui viennent squatter en Guadeloupe, le chant du coq les dérange, la voiture à pelle les dérange, etc. etc. La Guadeloupe, avant, c'était au Lamantin, chez Versini, à Bami, il y avait Vite, et à Vincent Lamantin, il y avait d'autres encore à Braflon, on allait manger les pâtisseries, on allait manger. Il y avait une ambiance. Mais allez, retirons, ils vont demander à ce qu'on arrête les retirants. Avant, je me rappelle quand j'allais au combat de coq avec mon défunt père, j'étais enfant.
enfants, gamins, il y avait une ambiance conviviale. On mangeait du boudin, on mangeait des gâteaux, on mangeait du sorbet. Et cette fameuse limonade ordinaire qu'on donne aux enfants. Tout à fait. Il y avait une ambiance conviviale. C'est un lieu où on se retrouvait le dimanche et le samedi, et on passe un moment convivial et on rentrait chez soi. Voilà. Alors vous avez hérité de ce galodrome, c'est ça? Oui, c'est le seul dans le sud Basse-Terre, et qui est de le galodrome de Chagny-Capesté personnellement, et que je me bats pour faire vivre. Je saluais Monsieur Ramaï, Daniel Ramaï, oui, on ne monte pas de sa mémoire de mon grand-père maternel, mon grand-père paternel, ils étaient tous les deux. Ils étaient les deux dans... Absolument. Et donc, je voulais saluer les amis et aficionados de M. Ramaï, Daniel, qui m'a acheté l'établissement avec moi, et puis les amis du Sud Basse-Terre qui seront... Qui continuent à vous soutenir. Ah oui, parce que c'est le seul en région Sud Basse-Terre. Mais alors, le galodrome de Mme Bélair aussi était fait. Absolument, oui, tout à fait. Et c'est mon âme, c'est la grande terre. Mais le mien, c'est le seul en région Sud Basse-Terre, et donc, je suis fier de moi de pouvoir... Alors, vous élevez les coqs, vous faites quoi? Vous les soignez? Le technicien, au fil, a eu l'occasion de me voir supporter pour mon coq en Martinique, et qui a gagné. Et vous êtes parti avec vos coqs d'ici? Absolument, le coq a été soigné chez moi. Quand je ne suis pas là, faites des choses. Ah ben oui, le coq a été soigné par moi-même, et on a gagné en Martinique. Moi-même, Et de dire ça, la foule était pour moi. Le coq, j'ai... Vous pariez sur absolument, parce qu'il faut savoir qu'en Martinique, je suis autant... chez moi qu'en Guadeloupe, parce que je suis quelqu'un. Non, je pense que parce que vous étiez avec Murphy quand même. Ah oui, Tout à fait. Parce que Murphy peut te dire, l'ambiance, l'engouement qu'il y avait pour supporter, pour... Est-ce que vous avez dit rediffuser ces émissions? Non, c'est un coup, là. Murphy fait des reportages pour nous. On a la direction pour faire vivre ça. Parce qu'il a bien montré en Martinique, c'est différent. Chaque île de la Caraïbe, Puerto Rico... Il faut rediffuser, hein. Il est venu à Martinique avec moi, il est venu à Capesterre chez moi, il a reçu deux conceptions différentes. J'ai deux ambiances différentes. Je lui avais dit, ouais, Murphy, Murphy qui fait ça, on va changer. Donc concentré, supporté pour le coq, il a gagné. Et puis lui-même a supporté. Ah oui, absolument, parce qu'on était quand même arrivé, le coq. Et comment s'appelle ce coq qui gagne? L'As. C'est sur ma carte de visite, l'As. Oh, wow. Absolument. Alors, je voulais dire grand bonjour à M. Lignière, Jacques Capesterre, M. Marius Martel, toute la compagnie, les Bouman, etc. Les gens de Sud Basse-Terre et à Capesterre précisément. Vous savez, tu sais, Raphaël, chaque personne a son club. Chacun a son public. C'est dans ça, il se peut compter sur moi. Et je me bats chaque seconde du temps pour faire que ça puisse exister. Et j'ai rencontré des gens qui me disent, Monsieur Nanan, on vous voit à la télé dans cette discipline, on vous encourage. Il faut que vous... Pas plus que ce matin encore, à la poste, j'ai eu deux personnes qui m'ont arrêté et qui m'ont dit, il faut nous qu'on ça à Guadeloupe. Parce que c'est tradition à payer. Pourquoi vous les nourrissez, en fait, les coqs? Les coqs, c'est du maïs. Et l'aliment qui se passe, c'est du maïs, il faut être de la banane. Il faut donner des œufs, des sardines, voilà, comme sportif. Et les vitamines. Il faut faire des petits massages à l'heure. Absolument. Je me rappelle toujours d'une femme politique qui a occupé le temps ici, qui était Madame Chachevoux. C'est pareil avec combat de coq à Saint-Claude. Et elle disait que c'était son plaisir personnel de voir que c'est un coq la rose. Voilà, nous allons devoir nous arrêter. L'heure qui nous était impartie est arrivée à son terme. Ouais. En tout cas, merci Georges. C'est un plaisir, M. Georges Nandan. C'est un plaisir de vous recevoir à chaque fois. Ben, moi de même, Raphaël. C'est toujours le plaisir pour moi de venir sous l'antenne de TV et que je suis là pour cela. Et comme je te l'ai dit, je renouvelle encore. Nous serons à Londres. Parce que c'était pas annoncé en Thaïlande, mais c'est annoncé à Londres. Mais c'est pas terminé. Je sais que mon collègue. Absolument. Expliquez bien les changements qu'il y a eu. Les réglementations qui sont en vigueur. Exactement. C'est pour ça qu'on n'est pas trop rentré dedans. Je n'ai pas dit que je suis contre la réglementation. Moi, j'estime qu'une femme est une femme, un homme est un homme. Nous pouvons parler des hommes parce qu'on va parler des hommes mardi. Voilà. Alors, nous allons laisser les collègues plicher ça tranquillement. Mais vous avez constaté la chemise de la situation. Monsieur se déplace en. Comment on peut les appeler ces gens avec comme Johnny Hallyday? Non, mais c'est pas une question de ça. Il faut mettre la tonalité. C'est comme un Miss Monde. C'est comme un Miss Monde. Très élégant. Merci beaucoup. Il faut comme Miss Monde. Il faut essayer de rehausser l'éclat de la Guadeloupe. Ah, mais c'est déjà très haut. Et de donner à la Guadeloupe la note finale. Chez vous, c'est déjà très haut. Voilà. C'est pas pour les autres, mais. Et je peux dire, chers amis de la Guadeloupe, qu'on fera, si Dieu nous préserve et nous garde, encore beaucoup de choses. Et il va falloir qu'on s'y mette tous. Voilà, et je vous remercie. Il reviendra. Je vous remercie tous sur l'antenne de TV, du soutien chaleureux que vous m'apportez, des encouragements. Et je vais compter sur moi.
Il reviendra de toute façon avec notre collègue pour éplucher cette affaire. Donc, nous allons devoir nous séparer. Le temps passe vite quand on est en bonne compagnie. Mais ce n'est que partie remise parce que de temps en temps, il viendra pour les coups de gueule aussi. Hein. Je peux déjà vous dire qu'il ne viendra pas tout le temps que pour parler de Miss, etc. Ben oui. Il parlera, par exemple, des coups de gueule. On va lui laisser la parole. La vie est faite de ça. Voilà. On va faites les coups de gueule. Il faut les secouer aussi. Ah ben, voilà. Donc, bye l'antenne, pipez parler. Et vous aussi, si vous avez envie de parler, d'ouvrir votre cœur à la Guadeloupe, venez dire ce que vous aimez moins, ce que vous n'aimez pas, ce qui se passe. Nous payons le ménage. Changement d'heure, sans Guada. C'est Guada, 100%. Et en vrai, que jeunesse en nous, suivre sa ancêtre en nous, laissez-moi nous. C'est pour qu'on a goumé, combat, moi, c'est ça. Okay. Alors, en quel goumé, en combattant. Ah, j'espère que vous avez apprécié les cheveux. Aujourd'hui, j'ai essayé d'arranger, mais j'ai eu des appels. Ah ouais, les cheveux, les cheveux, non, la mère, non. Alors, cette perruque-là, c'est ma fille qui me l'a achetée quand j'étais là-bas en vacances. Alors, je lui ai fait plaisir, mais j'espère que j'ai pu faire le travail, ranger ça comme il faut pour ça pas fait. Voilà. La prochaine fois, on essaiera de changer parce qu'on venait vraiment pépiter là, ça même. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. À bientôt. See you soon. Bye bye. See you soon, George. Bye bye. Et, merci beaucoup, Raphaël. Merci, Murphy. Merci.